créer sa marque pour faire du B2B en e-commerce. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Là, on va parler de, de la création de marque et de faire du B2B en e-commerce ou même en commerce proprement dit. Voilà, pourquoi c'est intéressant de créer sa marque. C'est réellement intéressant pour avoir tes propres produits. Bah, déjà, c'est intéressant parce que l'objectif final déjà d'une marque, c'est d'avoir une gamme de produits. Et si tu as une gamme de produits, peut-être qu'un jour, tu revendras cette gamme de produits. Donc déjà, c'est intéressant de créer sa marque par rapport à ça. Aujourd'hui, quand tu crées ta marque, quand tu te lances des produits, quand tu as trouvé ton produit ou ton offre winner, tu vas le lancer par exemple sur Amazon et tu vas essayer de trouver d'autres leviers de visibilité pour faire connaître ta marque, pour que le branding de ta marque prenne de l'importance. Et du coup, au début, tu vas être sur Amazon et après, tu vas peut-être créer ta boutique proprement dit. Tu vas utiliser d'autres leviers de visibilité, que ce soit des influenceurs, que ce soit le référencement naturel, que ce soit Google AdWords, Google Shopping et j'en passe et des meilleurs. Tu vas te mettre sur d'autres marketplaces, que ce soit Mano Mano, La Redoute, Cdiscount, Rue du Commerce, etc. Et tu vas essayer encore de trouver d'autres leviers de visibilité. Donc, tu vas essayer de faire de l'affiliation, tu vas essayer même, pourquoi pas, faire des encarts de pub dehors, à l'extérieur, etc. Des panneaux publicitaires et tout. Tu vas peut-être faire du publipostage, donc envoyer peut-être un petit catalogue avec tes produits directement vers des clients cibles, etc. Mais il existe d'autres choses comme le B2B. Le B2B, c'est quoi? C'est quand tu as une marque, toi, tu es un business to business, donc tu vas revendre tes produits à d'autres boutiques, tout simplement. Donc, ces boutiques peuvent être des boutiques en ligne et ces boutiques peuvent être des boutiques physiques. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai mis ça en place, c'était avec les bracelets Power Tonic. C'était des bracelets magnétiques où d'abord, on avait fait un deal avec Groupon. Donc, à l'époque, on avait fait un site sous PrestaShop et du coup, on vendait grâce au site de deal et après, on vendait aussi grâce à notre site et à l'époque, on faisait du référencement naturel et du Google AdWords. Donc ça, c'était la première chose. Et après, on a essayé de mettre en place une stratégie de B2B. Pourquoi? Parce qu'on avait une demande. On avait marqué vente en gros à l'époque, on avait fait une rubrique par rapport à ça et des gens nous contactaient parce qu'ils étaient intéressés d'avoir un lot de 100, 200, 300 pièces directement pour les vendre dans leur shop boutique, mais aussi dans leur boutique physique. Donc, on avait une clientèle business par rapport à ça. Donc, forcément, tu dois revoir tes prix en conséquence. Voilà, tu ne peux pas vendre au prix de vente ton produit, mais toujours est-il que tu te fais une marge, forcément, même si elle est moins chère, tu te fais une marge et surtout, tu vas vendre des produits en plus grande quantité, donc tu vas t'y retrouver forcément. Mais surtout, c'est bon pour le branding. Et du coup, le fait de vendre sur d'autres boutiques, ça va améliorer l'image de ta marque et c'est surtout, tu vas te positionner sur des nouvelles requêtes sur Google, bracelet Power Tonic. Avant, c'était bracelet magnétique que je recherchais et après, les gens commençaient à taper bracelet plus le nom de la marque. Et ça, c'est vachement intéressant et j'ai envie de te dire, il est important que tu te concentres quand tu crées ta marque, que tu aies ce genre d'objectif, que tu n'hésites pas à identifier les partenaires possibles et surtout, n'hésite pas à mettre une rubrique vente en gros directement sur ton site. Ça doit être inclus dans ta stratégie. Moi, je le vois, il y a des marques très connues qui sont devenues connues parce qu'ils ont mis en place ce genre de stratégie. Ils sont visibles sur Amazon et maintenant, ils sont visibles même dans je les ai vus dernièrement, c'était dans quoi? C'était dans des boutiques hommes, tu vois, des boutiques La Maison du Monde, des boutiques comme ceci, ou dans même les Galeries Lafayette, où tu t'aperçois que ces produits-là, ils ont créé une identité, ils ont créé leur spécificité, et du coup, ils se retrouvent dans plein d'autres boutiques. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos à ce sujet-là, parce que, j'essaye de mettre en place, d'implanter une marque dans une série de magasins. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, toujours est-il que le B2B est,
est quelque chose que vous pouvez mettre en place, qu'il faut mettre en place et qui va vous rapporter des ventes. Et plus vous mettrez en place de B2B, de réseaux partenaires par rapport à ça, et bah, plus bah, votre marque elle va être connue. Et du coup, bah, les gens qui vont acheter peut-être une première fois sur le site partenaire ou la boutique partenaire vont peut-être acheter une deuxième fois directement sur votre boutique. Il y a des sites, des marques françaises connues comme Le Slip Français, Fagot, et j'en passe, Archiduchesse, etc., qui le font bien, qui ont des points de vente un peu de partout et qui récupèrent des clients indirectement comme ça. Pareil, comme des boutiques de cigarettes électroniques, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Mettez en place dans votre stratégie e-commerce, le B2B. Encore une fois, c'est des petites actions, ne serait-ce que mettre en bas de page vente en gros, c'est quelque chose qui va intéresser les gens. Et si votre marque a une vraie identité, n'hésitez pas à démarcher, de créer un petit pôle commercial, à démarcher des boutiques par rapport à ça, et vous verrez que vous aurez un retour conséquent. Voilà, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo, les rouillards. Ciao.